Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Anno 2205. La dernière fois, nous avons décollé ici de notre zone tempérée pour rejoindre le secteur lunaire. On a, ça y est, notre fusée qui est partie sur la Lune. On va pouvoir choisir l'endroit où on va pouvoir se mettre. Orbital Watch aurait capturé la plupart des colonies du consortium. Là-haut, vous serez livrés à vous-même. Alors, on a trois colonies, trois secteurs disponibles. Le cratère Novikok, un cratère Novikok est creusé entre les plaines lunaires, non loin d'un cratère jumeau plus étroit parcouru par une profonde fissure et difficilement praticable, mais il offre plus qu'il n'en faut d'espace pour établir une colonie. Ok. 20 sites de construction. Le cratère Iwamoto, des cratères de météorites, ont creusé ces trois cratères en forme étrange, baptisés collectivement cratère Iwamoto. Outre les richesses minières inhérentes au lieu, ce sont surtout les ressources météoriques qui suscitent l'intérêt des colons. On a des minerais purs ici, c'est pas mal. Et enfin, le Mare Relictum, un cercle quasi parfait où se dresse une montagne solitaire, offre un paysage époustouflant. De nombreuses voies s'élèvent pour en rendre l'accès public moyennant crédit. On va prendre celui du milieu, je pense. On peut exploiter des métaux rares et on a des minerais purs. Ça a l'air pas mal, ça. Ouvrir des filiales dans d'autres secteurs améliorera vos perspectives sur le marché. Pensez-y. Allez, on va investir le cratère Iwamoto. Vous avez accédé à la phase 3 du programme de licence lunaire. Vos navettes sont arrivées sur le site de colonisation désigné. Vous êtes appelé à créer une colonie lunaire et commencer l'extraction de l'hélium 3. Votre objectif principal consiste à développer un réacteur à fusion stable. Informations complémentaires. Activité ennemie détectée près de votre site de colonisation. Ok, on va aller voir un peu tout ça du coup. On va accéder à notre zone. Vous y êtes enfin. Votre premier lopin de lune. Le fait est que le site présente un certain nombre d'impacts de météorites riches en minéraux extrasystèmes. Mais la question de leur exploitation se posera plus tard. Pour l'instant, la construction d'une base lunaire est votre seule priorité. Les normes de sécurité imposent que les colonies lunaires soient aménagées dans les cratères, qui protègent plus efficacement contre les radiations. D'accord, donc dans un cratère. Alors, on va prendre le grand, je suppose, pour commencer. Ou alors on a peut-être le plus petit ici qui est plus proche de notre centre, le spatioport lunaire. On a celui-là mais qui est quand même beaucoup plus petit. Par contre il a 1, 2, 3, 4, 5 sites. Je vois qu'il y a des météorites qui tombent par contre. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 sites sur celui-là. Et on va prendre par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va prendre le grand site forcément parce qu'on a plus d'espace et plus d'endroits où installer notre colonie, même si elle est un petit peu plus loin. Affirmatif. Donc on va revendiquer ce cratère ici pour pouvoir travailler. Je crois qu'on a des choses là. Un site d'excavation météorique. On en a plusieurs. Ça pourra peut-être être utile à un moment. Par contre, on a des météorites qui tombent. Je sais pas si ça va impacter notre... notre colonie, ou si c'est juste pour la déco. Allez, on va essayer de revendiquer cette zone. Et il me faut 100 000 crédits pour ça. Ah, va falloir attendre un petit peu. Pour l'instant, on produit pas assez. 100 000 crédits pour revendiquer un cratère. Bon, du coup, on va essayer de vendre peut-être des choses en trop que l'on pourrait avoir.
Je vais voir un petit peu partout, voir si on a moyen d'avoir des choses. Alors ici on stocke. Ouais, j'aurais pu regarder comme ça directement, c'est vrai. En fait, je suis assez limite partout. Hein. On a du super alliage. On va essayer d'en vendre un peu. Ça doit nous rapporter de l'argent, je suppose. Pour essayer d'accélérer un petit peu, créer une nouvelle route de transfert. Du super alliage entre là et du coup ici. Voilà, 6 ça va nous rapporter plus 478. Et pour l'instant ça ne coûte que 200 pour la maintenir, donc c'est cool. On va faire ça. Cet itinéraire est officiellement ouvert et approuvé. Route de transfert enregistrée. Comment ça, inefficace? La route super alliage en provenance des glaces galaxies. Pourtant on fait plus 6 il me semble. Enfin, on faisait plus 6 du coup. Ah zut, j'avais pas vu que j'en montais. Ah oui, non, c'est parce que j'en amène là. Mais du coup, c'est celle-ci dont j'ai peut-être plus besoin. Pour le moment, puisque j'ai pas forcément besoin de super liège supplémentaire. Tac. On va aller voir quand même juste ce qui se passe, voir si j'ai suffisamment de super alliage. Du coup, je suis à 0 en super alliage, mais c'est normal. On vend tout. Ici, pour récupérer de l'argent supplémentaire, ce qui nous permet de faire plus 6000 en ce moment en crédit. Mais il faut toujours attendre d'avoir 10000 crédits, donc pour l'instant, on va attendre un petit peu, j'accélère le jeu. Histoire d'avoir assez vite les 100000 nécessaires, éventuellement, on va peut-être aller voir s'il n'y a pas des missions à faire. Qui vont nous permettre d'avoir de l'argent. Alors ici, ça vous dit un petit défi? L'iridium, non, pas intéressant. Il n'y a pas grand chose pour l'instant ici. On va aller voir ici s'il n'y a pas des choses qui peuvent se faire au niveau de l'Arctique. Pareil, pas beaucoup de missions actuellement. Ça, ça nous apporte de la logistique, c'est pas intéressant. Malheureusement, pas de mission actuellement qui nous permette de gagner de l'argent supplémentaire. On va être obligé d'attendre du coup. Cours d'amarrage. Bon, après, on est déjà à 80 000, donc ça va aller assez vite quand même. Mais du coup, j'accélère un petit peu les choses. En fait, c'est quoi? C'est je peux revendiquer des secteurs supplémentaires? Non, c'est la propriété d'une autre corporation. C'est un plaisir de vous voir, l'ami. Ah, ça coûte super cher pour investir le secteur. Ok. On va laisser tomber. On va garder juste nos secteurs. Allez, on a dépassé les 90 000. Ah, je vois qu'on peut construire et relier un petit générateur de bouclier. C'est sans doute ça qui va empêcher les météorites de tomber sur nos installations. 99 000, 100 000, ça y est, on a ce qu'il faut. Direction du coup, la Lune, pour pouvoir investir le secteur concerné. Vous avez le culot de nous défier sur notre propre territoire. Soit. Vous auriez mieux fait d'écouter mes mises en garde. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une mission qui s'est déclenchée quelque part? A priori non. Donc voilà, donc là a priori ici c'est la zone du bouclier. Donc c'est sur cette zone-là qu'il va falloir travailler. Ne vous attendra pas. Si vous voulez changer la donne, exprimez-vous.
Voyons voir. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire ? On va pouvoir construire forcément des résidences, pour l'instant. Mais il va falloir à nouveau de l'argent pour ça. Donc là, ça y est, on a investi donc ce lieu-là. Je vais voir s'il n'y a pas une mission qui traîne maintenant. Ah, peut-être une qui arrive là. Vous tombez bien. Envie de participer à l'un de nos projets ? Alors, ok, on va formidable. Faire ça. Tac, il va falloir aller où ça ? Ici, chercher ça. On va aller amarrer le véhicule du coup. Et on va le ramener, ça nous permet d'avoir un petit peu d'argent parce que là, forcément, on est un petit peu juste pour le moment. Vu qu'on vient de dépenser quand même 100 000 crédits pour revendiquer la zone sur la Lune. Câblage en position. Excusez-moi, j'ai pensé qu'il valait mieux vous en parler en personne. Graphène, ça m'intéresse pas. J'aurais besoin d'un peu d'aide en haut lieu, là. De l'iridium non plus. Itinéraire de transfert dysfonctionnel. Approvisionnement inapproprié. Alors, oula, qu'est-ce qui se passe du coup ? J'ai une pénurie d'eau ici. Qu'est-ce qui m'arrive sur mon secteur là ? Pourquoi d'un coup j'ai plus rien ? J'ai plus d'implants qui arrivent ? Bon, je sais pas trop ce qui se passe. Pourquoi? Ah, je suis passé à moins 1 sur tout. Pourquoi je suis passé à moins 1 sur tout? Qu'est-ce que j'ai perdu? Là, je vous avouerai que je ne sais pas trop ce que j'ai perdu. Ce qui fait que je perds comme ça. On va juste retravailler les routes un tout petit peu. On va descendre de 1, c'est pas grave. 14 ici. Et mon super alliage. Ah, il me l'a supprimé peut-être. Non, elle est là. Excellente initiative. Vos marchandises sont demandées partout. Option de transfert mise à jour. Ok, alors là par contre du coup, il va falloir que je produise un petit peu plus de... Route de transfert réévaluée. On va juste retravailler un petit peu parce que je vois qu'il me faut de l'eau. Ah, je me fais attaquer, ça doit être pour ça. Une performance exceptionnelle. C'est parti. Ibarra Foxcom. Leur expertise en matière de robotique et de bioinformatique n'est plus à prouver. Et maintenant, ils savent parfaitement qui vous êtes. Non, j'avais l'impression de me faire attaquer. Alerte. Impossible de satisfaire ouais, la demande. Il manque d'eau, ça c'est clair. Consommation. Où est-ce que je produis de l'eau actuellement ? Là, je peux en rajouter encore un. Voilà, repasse à plus ça en eau. A priori, j'ai diminué toutes mes consommations. Enfin, j'ai augmenté toutes mes consommations suite au fait juste d'avoir récupéré la lune. Ok. Arrivée de la navette dans les délais prévus. Justement, c'est vous que je cherchais. Vous pourriez me rendre service. Alors, on va faire ça. Se réjouir. On va se faire cette mission là rapidement pour récupérer de l'argent. Puis après ça, on va commencer. Il va juste falloir que je retravaille rapidement sur les implants. Câblage en position. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je peux même pas regarder du coup. Utiliser le drone pour détruire le chargeur d'Orbital Watch. Itinéraire de transfert dysfonctionnel. Approvisionnement inapproprié. En avant toutes.
Oui, j'arrive sur les implants. Et voilà, ça c'est expédié. Coordonnées confirmées. Allez, on a récupéré des crédits impeccables, ce qui va me permettre de revoir ma route d'implant, d'améliorer un petit peu ma production d'implant plutôt. Qui est un petit peu juste. Je sais pas trop pourquoi j'ai perdu un surtout là. Le molybdène, là ici on fait moins 4, donc on va devoir rajouter. Voilà, on passe à plus 6 déjà, ça va améliorer les choses. Du coup, on est repassé à plus 3. Ok. On a des coraux abyssaux aussi, on fait moins 1 et de la conserve d'aliments. Alors les coraux, il me semble qu'on les a fait là-haut, on a dû les faire là. Ok pour ça, on va repasser à plus 2 et la conserve d'aliments. Je peux encore en mettre. Voilà, donc là c'est bon, ici je suis repassé comme il faut. Je vais juste vérifier la zone tempérée et vérifier que j'ai pas d'autres problèmes sur mes productions également. Parce qu'on a vu que l'eau avait descendu notamment. Et après ça on s'attaque à la lune, au moins je vais avoir un petit peu d'argent pour pouvoir construire des choses. Même si j'ai l'impression qu'il va falloir 7500 par habitation. Ça a l'air de coûter super cher sur la lune. Ici donc mes productions... On fait moins 4 sur le soja. Qu'est-ce qui me produit du soja déjà? Ah, c'est pour avoir du vin. Voilà, comme ça on produit juste ce qu'il faut en soja. Tac, tac, tac. On produit à peu près tout comme il faut. Bon, c'est bon pour la production, maintenant direction la Lune. Alors, ici maintenant, hop, merci pour ça. On va pouvoir se construire quelques trucs. Hop là. Alors, combien font par contre la taille des maisons? Est-ce que je peux en mettre là par exemple? La zone va être bloquée assez vite, donc ça va poser des problèmes. On va partir dans ce sens-là. Un petit pas pour moi. Bon, vous connaissez la suite. Ok, bon, on a mis deux maisons pour l'instant. S'il faut, je vois s'il faut. Ce qui paraît. Ça va, on produit suffisamment d'oxygène. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut des boucliers du coup. Et un bouclier c'est 15 000 crédits et ça permet d'allonger comme ça les zones. Ok, bon ça va. Très bien. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il va me falloir maintenant. Entrez, c'est vous qui payez l'oxygène après tout. Il va me falloir une production de titane quand même. J'ai l'impression que c'est ce qui est nécessaire pour la plupart des constructions ici. Donc le titane, ça nécessite du plaquage de titane qui nécessite un site de construction montagnard. Donc on va pouvoir construire ça là. Hop, on va lui mettre une route forcément. Voilà, donc là ça travaille. Ah, c'est extrait au laser carrément. Sympathique. Alors du coup là ici on extrait des plaques et on va falloir mettre ici pourquoi pas une usine de production de titane à côté.
Voilà, comme ça on fait plus 10 en titane. Et au niveau de l'apport, on a ce qu'il nous faut. Donc on va pouvoir construire comme ça des maisons supplémentaires maintenant. Voilà, donc là c'est bon, on s'installe. J'ai plus assez de crédit du coup pour pouvoir augmenter. Mais il va falloir maintenant que je construise ça pour pouvoir avoir de la production d'oxygène. Donc il va falloir que j'aille assez vite sur le site montagnard un tout petit peu plus loin. Donc il va falloir que je commence par agrandir en fait mon champ d'action. Mais ça nécessite 15 000 crédits à chaque fois. Ah, je fais moins d'argent que précédemment là. Je vous reçois nickel. Ah, c'est parce qu'ils ont besoin de choses. On va avoir besoin de réjuvénateurs supplémentaires. Donc, hop, on va avoir besoin de fabriquer plus ici. Du coup. Il me semble qu'on produit ça là pour l'instant. Au niveau de la production, on en est à combien? Au niveau des réfrigérateurs, on est à... On est à 0. Donc là, il va me falloir un petit peu plus, sachant que des algues, j'en ai un petit peu plus également. Mais par contre, il va me falloir des marchandises supplémentaires ici. Non, des algues, j'en produis assez, pardon. C'est ça qu'il va falloir que j'améliore. On passe à plus 6 et du coup ici. Hop, comme ça on fait plus 8. Par contre on fait moins 3 en algues, donc il va falloir un petit peu plus d'algues également. On fait plus 14 en algues du coup, donc là c'est bien. Plus 8 ça devrait être suffisant du coup. Je sais pas exactement combien est demandeur ici. Mais ça devrait être suffisant. Donc on va faire 2. Ça entre là et là. Ah, je peux pas en envoyer là-haut. Pourquoi je peux pas en envoyer là-haut? Parce que j'ai pas construit le spatioport, peut-être. Donc il va falloir que j'attende un petit peu. Donc, le problème, c'est que pendant ce temps-là, j'aurais pas dû aller là. J'aurais dû aller voir pour des missions plutôt. Pour avoir de l'argent supplémentaire, donc là, il va falloir que je produise de l'oxygène supplémentaire et que je mette un bouclier pour ça. On a commencé la production de titane, c'est bien. Alors, on va voir si vous pouvez régler ça. Ça me plaît. Faites-moi un point. Je préfère okay. Signaler le problème avant qu'on... C'est incroyable. Vous êtes toujours okay. Là pour donner un coup de main. Ça vient de tomber. C'est urgent. Navette en cours d'amarrage. Alors, on a deux choses. Il va falloir... escorter le navire mystérieux en évitant les ennemis. Ok. Donc, il va falloir faire attention. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Donc là on va aller le chercher, ça pour aller ça va aller, il va juste faire attention au retour. Que je sache par où passer pour éviter les ennemis. Câblage en position. Alors... Escorter navire à femme mystérieuse en évitant les ennemis. D'accord. Bon, on va passer par là. Ah, j'en ai un qui vient vers nous. Coordonnées confirmées. Alors, en espérant qu'il ne nous voit pas, lui. Même s'il a l'air de se diriger droit sur nous, quand même. Bon. Affirmatif. Hop là. Bon, il suffit juste de leur échapper. Ok. Pas besoin de réellement les éviter. Mais là, ils sont partis à ma poursuite.
Votre nom est partout sur le net. Très bien ça. Et il faut que j'aille récupérer des crédits ici. Là, il va falloir que j'aille récupérer. Arrimer le navire, remorquer jusque... Ok. Il faut aller là, juste récupérer le navire, ça n'a pas trop de problème non plus. Arrimage ! Et on ramène ça ici. Voilà, ça me redonnait suffisamment d'argent pour aller faire la suite et bah, notamment construire le bouclier. C'était un sacré jeu d'enfant pour vous. Ah, vous bon, on va pouvoir récupérer encore des crédits, en fait. À la bonne heure. Alors, animer... Mince, j'ai pas pris mon navire de commande. En avant, toutes. Ah non, ça c'est l'inverse, pardon. Faut aller... Je vais récupérer ça ici, pardon. Amarrage réussi. Hop, on va lui emmener ça là. On va aller récupérer celui-là. Non, ça c'est autre chose, il va falloir aller jusque là. Et bon voilà, donc après ça on va pouvoir produire de l'électricité afin d'améliorer le spatioport pour faire venir les révulsionateurs. Je devrais avoir assez d'argent ou pas être loin. C'était de l'excellent travail. Je suis fier de vous. Merci. Allez, on a 64 000 crédits. On va pouvoir continuer de travailler sur la Lune. Alors, il va falloir que je commence par améliorer la taille de mon bouclier. Devrait me permettre. Alors, pourquoi par contre aucune collection routière? D'accord, ça c'est pas trop un problème. La Lune n'a pas d'atmosphère. La moindre particule météorique occasionnerait des dégâts considérables à votre colonie. Les boucliers énergétiques sont là pour y remédier. Très bien, par contre, d'où est-ce que je chope l'énergie? Ça, je ne sais pas pour le moment. Alors. Voilà, on va commencer à se produire ça. On fait plus 20, ce qui va me permettre de générer de l'oxygène à côté. Comme ça, on est juste à zéro en oxygène. Alors, pourquoi on est à 91%? Parce que j'ai pas assez de main-d'œuvre. Les compartiments à oxygène, la condition la plus indispensable à la survie de vos astronautes. Construire et relier 10 unités d'habitation. D'accord, donc il va me falloir encore quelques unités d'habitation. Ah zut, la zone est bloquée. Voilà, le problème c'est que j'ai pas assez d'argent, donc il va falloir que je retourne faire une mission à nouveau. Je peux vous faire une suggestion. On devrait procéder comme suit. C'est officiel, ce secteur abrite la première colonie à répondre aux normes du programme de licence lunaire. Carton plein, bravo. Merci. Ne tournez pas le dos trop rapidement à notre bonne vieille Terre. Avant d'expédier votre production lunaire ici-bas, vous devez aménager des baies d'alunissage supplémentaires pour les navettes de fret.
Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'attire une population de mineurs. Pour le moment, je ne peux pas améliorer en fait mon... Comment dire, mon... ma zone. Et le seul problème, c'est qu'il va falloir que je fasse de l'argent, donc il va falloir que je fasse des missions parce que je perds de l'argent actuellement. Parce qu'ici, les besoins ne sont pas satisfaits, forcément. On n'a pas les révigénateurs. Ni le biostimulant pour le moment. On n'a que de l'oxygène. Donc forcément, ils sont pas contents. Là, il va falloir un petit peu plus de mineurs pour pouvoir fabriquer les mains. Il faudrait bien un peu de logistique également. Alors, ça veut dire qu'il va falloir faire des missions. Pas le choix, on va aller voir s'il y en a par ici. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que les révigénateurs en trop, eh ben, on va les vendre. On fait plus 6 après tout. Ah, on a limite de route de marché atteinte, mince. Qu'est-ce que je vends actuellement ? Un instant, je dois finir. On va arrêter celle-là qui ne nous rapporte pas beaucoup. Bien sûr, l'optimisation du réseau est un processus au long cours. Je pense que ça doit pouvoir nous rapporter plus. Ah non, autant pour moi, ça fait moins 29. Bon. Du coup, on va remettre nos biopolymères. On fait plus 20, ça nous rapporte 132. Excellente initiative. Vos marchandises sont demandées partout. Ouais, mais je produis quand même pas assez. Route de transfert mise en œuvre. Et le seul truc, c'est que vous voyez, j'ai plus beaucoup d'argent, quoi, on va dire. Bon, là, on va avoir besoin ici d'augmenter un peu les productions, en espérant qu'ils me demandent rien de nouveau. Au début, j'étais sceptique, mais vous avez dissipé tous mes doutes. Vous voyez ? Là, ça marche. Eh ouais, c'est dingue, hein ? Ok, donc j'ai augmenté un petit peu par là sans que ça ne me gêne de trop. On va augmenter un petit peu par là aussi. Ah, zut, on a des nouveaux bâtiments disponibles. Nouveau plan, prêt pour intégration. Centrale à gaz, ça veut dire qu'il va falloir faire plus de production sur autre chose. Zut, c'était à peu près ce que je voulais éviter. La motivation n'a jamais été aussi forte. Tant mieux. Itinéraire de transfert dysfonctionnel. Approvisionnement inapproprié. C'est toujours ça ce problème. C'est qu'il faut agrandir à chaque fois en même temps. Mais pour l'instant, j'ai pas l'argent. Les dispositions ont été prises pour vous laisser les... Alors, hop. On va faire ça du coup. Récupérer des marchandises. Et il va falloir les acheminer. Ils nous ont grillé. Bon, et qu'est-ce que je dois dire aux actionnaires ? Ah ! J'ai fait une erreur. J'ai pas assez bien lu la mission. Sans doute. Ça vient de tomber. C'est urgent, apparemment. Fantastique. Ok, hop, toi, tu reviens par là, du coup. Allez, on va continuer de faire des missions en attendant, parce qu'il va me falloir plus d'argent pour pouvoir continuer de me développer. Amarrage réussi. Et on emmène ça ici. En avant toutes. On va aller le détruire lui. Tout
est revenu à la normale. Merci. Oh, mais de rien. Affirmatif. Nous sommes en général assez réticents. Vous tombez bien. Envie de participer à l'un de nos projets ? Juste une question. Est-ce qu'à lui, je peux pas lui vendre une fois quelque chose sans passer par les... Non, a priori, on peut pas trop. Treize mille, c'est pas top. Navette en cours d'amarrage. Treize mille, ça va au moins me permettre de mettre en place un réseau logistique. Bon, au moins on va pouvoir le mettre là. Voilà, donc ça, la logistique, pas de problème. Et donc le problème, en fait, c'est que ça coûte 7500 quand même, une maison, plus des plaques de titane. Bon, des plaques de titane, ça va, on en produit. Pas de problème, je vois qu'on en a déjà 200. Ça travaille bien, tout ça, impeccable. Sauf que ça ne me génère absolument pas assez d'argent. A priori, j'ai des nouveaux... Bon, ça va, c'est que la centrale au gaz qui a été produite. Et l'extracteur de méthane, mais c'est pas suffisant en fait pour me fabriquer de nouvelles choses, genre les super ordinateurs qu'il faudrait produire. Donc c'est bien, je suis juste à la limite de ce qu'il faut. Ici, une mission. Ah, qui rapporte... Justement, je me demandais. Pas intéressant ça. Personne qui arrive pour une mission. Et ben on retourne en zone tempérée. Tant que je vais pas avoir le spatioport, ça va être le vrai problème. Dès que j'aurai mon spatioport, je pourrai voilà, ramener les vivres nécessaires pour améliorer ici la vie des gens. En général assez riche. Hey, j'ai un problème sur les bras. Excellente nouvelle. Ouais. Alors, où est-ce qu'il est lui ? Trouver caisse sur n'importe quelle île. Ah oui, donc c'est un truc comme ça. Mince. Là, il faut que je cherche en fait. Comme ça, voir si je vois quelque part. Des caisses, il va falloir que j'en trouve 4. Pas une caisse comme ça, a priori qu'il fallait. Ici rien. Là, c'est encore des biopolymères, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Zut alors, je ne trouve pas ces trucs, elle. Ou alors, ça va être des trucs tout petits. Ah non, hop. Ok, en voilà une comme ça. Deux. Ah bah après si tout est sur mon île aussi. Trois.
Les 4, ah oui, donc tout était là en fait. Grâce à vous, mes recherches ont fait un bond de plusieurs années-lumière. Tant mieux. Nous sommes en général assez réticents à conclure. Je préfère signaler le problème avant qu'on nous fasse porter le chapeau. Vous savez y faire dans ce genre de situation. 14 000, c'est cool. Allez, on va marrer, on va les détruire comme d'habitude. Il est où? Il est là. Hop. En avant, tout. Ah, il est plus grand lui, donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Bien reçu. C'était pas de la tarte, mais vous avez assuré. Nickel. On est en route. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle mission qui arrive. Hé, hey, j'ai un problème sur les bras. Graphène, et... c'est pas intéressant. Moi, je veux de l'argent. 24 000, on peut aller reconstruire quelques maisons de l'autre côté. Et on en a combien là? On en a 31 sur 50. Peut-être que ça va suffire à faire venir suffisamment de mineurs. Non, ça nous emmène seulement à 36. Hein. Le sas est ouvert. Donc il va en falloir encore d'autres. Zut. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Anno 2205 vous aura plu. On a commencé à s'installer sur la Lune et faire les premières productions. La prochaine fois, on essaiera d'atteindre ça. Mon but, ça va être de améliorer le spatioport. Voilà, ça me permettra d'améliorer le spatioport ici et enfin faire venir les ressources nécessaires pour pouvoir rendre mes personnes un petit peu plus heureuses en faisant venir des révisionnateurs. J'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous donc dans quelques jours pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.